Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Tout de suite, les principaux titres. En 9 mois, 36 000 migrants ont réussi la traversée de la Méditerranée, soit une hausse de 120%. Ils sont armés de courage, mais ils bénéficient aussi d'une aide incontournable, celle des passeurs. Célébration à Idlib, la Russie et la Turquie ont trouvé un accord pour éviter la guerre au dernier bastion de la rébellion syrienne. Et au Kenya, vous pouvez désormais commander un taxi conduit par une femme, mais pour le moment, l'application Annissa n'offre ses services qu'aux clients de la junte féminine. Certains escaladent à main nue des clôtures de barbelés de 6 mètres de haut. D'autres traversent la Méditerranée en bateau au péril de leur vie. Ils sont plus de 36 000, voilà, des migrants entrés illégalement en Espagne depuis janvier, en route vers d'autres pays de l'Europe. Mais comment réussissent-ils leur traversée? Car leur courage seul ne suffit plus. Nombreux sont ceux qui ont recours aux passeurs. Explication de Raissa Okoy. C'est au péril de leur vie qu'ils bravent la Méditerranée et escaladent des clôtures de barbelés. 36 000 migrants sont entrés en Europe depuis janvier. Au-delà des dangers et des risques encourus par ces voyageurs prêts à tout sacrifier, un obstacle majeur, le recours aux passeurs. Pour Robert Krepinko, le directeur du Centre européen de lutte contre les trafics de migrants d'Europol, il est pratiquement impossible d'atteindre l'Europe clandestinement sans avoir payé une mafia. Le policier ajoute que 90% des migrants y ont eu recours, d'après une étude de 2015. Les passeurs seraient comme un sésame qui ouvre les portes de l'Europe, fût-ce par effraction. Sans eux, impossible de parcourir les milliers de kilomètres de désert et de zones inhospitalières qui séparent l'Afrique, notamment subsaharienne, de l'Europe. Mais ce sésame coûte cher, entre 100 000 et 500 000 francs CFA la traversée. La plupart payeront pour s'entasser dans une fragile embarcation. D'autres pour escalader en groupe les hautes barrières hérissées de barbelés séparant le Maroc des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. La place dans un scooter des mers peut dépasser les 3 millions de francs CFA. Simple pays de transit, beaucoup sont résolus à laisser l'Espagne pour gagner la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. L'année dernière, 25 réseaux ont été démantelés en Espagne. Mais les éliminer reste une tâche difficile, car beaucoup d'entre eux gardent une base solide dans les pays d'origine où ils continuent de rechercher de nouvelles victimes parmi les candidats à l'émigration. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes avec Esther Mamadou Blanco depuis la rédaction. Esther Mamadou, merci d'être avec nous. Cela fait 14 ans que vous suivez de près ce dossier, 14 ans que la situation perdure et s'aggrave, notamment avec le rôle que jouent les passeurs. Quel est votre regard sur la question? Merci, merci à vous. Il est vrai que le nombre a augmenté en Espagne parce qu'il y a eu un changement de la politique migratoire de l'Italie. Donc en fait, la route migratoire s'est déplacée depuis la Méditerranée Est jusqu'à la Méditerranée Ouest. Mais il faut tenir en compte que en fait, depuis 2015, le numéro total de migrants en Méditerranée a quand même diminué, même si on a quand même des grands numéros à Ceuta et Melilla. En général, le nombre de migrants qui arrivent en Europe a diminué par rapport à des années antérieures. Des mesures se succèdent entre l'Afrique et l'Europe, mais le problème persiste. Concrètement, comment le résoudre? C'est une question difficile avec des solutions difficiles. Il faut tenir en compte que c'est de la migration forcée. Donc la migration forcée implique que les personnes migrent parce qu'elles souffrent des situations sociales, politiques, économiques difficiles dans leur pays d'origine. Et il faut dire aussi que l'Europe est aussi à sa part de responsabilité par rapport à l'externalisation des frontières. Donc en fait, ça va un peu dans les deux sens. Comme solution, il faudrait travailler sur l'intégration, il faudrait donner l'accès au travail des personnes migrantes dès qu'elles sont sur le territoire et qu'elles ne peuvent pas être expulsées dans leur pays d'origine. Mais il faut aussi qu'il y ait des relations égalitaires entre l'Europe et l'Afrique. Et il faudrait que les Africains aient le contrôle sur leurs ressources matérielles et leurs ressources humaines. Esther Mamadou Blanco, merci à vous pour toutes ces explications. Merci, au revoir.
Israël accuse les forces syriennes d'avoir tiré sans discernement sur un avion de reconnaissance russe. L'armée israélienne a exprimé sa tristesse pour la mort des 15 soldats russes à bord, car Moscou avait auparavant blâmé Tsahal. Israël précise que ces frappes visaient une livraison d'armes vers le Liban, mais la Russie, elle, insiste sur le fait qu'Israël a délibérément créé une situation dangereuse et a utilisé l'avion russe comme couverture. Et entre-temps, le gouvernement syrien a salué l'accord conclu entre la Russie et la Turquie sur l'avenir de la province d'Idleb. Le ministère iranien des Affaires étrangères a lui aussi fait l'éloge de cet accord. Des images donc de la ville de Biniche. Hein. Les habitants ont célébré l'événement. Pour l'instant, il n'y aura pas d'assaut donc sur le dernier bastion rebelle en Syrie. Et la bataille d'Idlib n'aura donc pas lieu, du moins pas dans l'immédiat, puisque le président Poutine et son homologue turc Erdogan sont d'accord pour créer une zone démilitarisée entre le régime et l'opposition armée dans l'enclave du nord de la Syrie. Et selon le président Vladimir Poutine, cette zone tampon aura une largeur de 15 à 25 km et entrera en vigueur le 15 octobre prochain. Les troupes russes qui soutiennent le gouvernement syrien pourront effectuer leur patrouille, de même que les troupes turques qui soutiennent les rebelles. La Russie prendra les mesures nécessaires pour garantir qu'aucune attaque ne soit lancée contre la zone démilitarisée autour d'Idlib. Je suis convaincu que cet accord empêchera une crise humanitaire de se produire à Idlib. Et le reste de l'actualité en bref et en images. L'épidémie de choléra continue de tuer au Zimbabwe, où un nouveau bilan officiel fait état de plus de 30 morts. Le ministère de la Santé affirme également que 5500 personnes sont actuellement traitées, mais espère avoir réussi à contenir la propagation du virus. En parallèle, le gouvernement compte améliorer l'évacuation des eaux usées dans les zones les plus touchées. La Cour constitutionnelle sud-africaine a légalisé la consommation et la plantation de la marijuana à usage personnel pour les adultes. C'est à l'unanimité que les juges ont estimé que la loi actuellement en vigueur était, je cite, anticonstitutionnelle et donc nulle. Le Parlement a désormais 2 ans pour rédiger et inscrire ce décret dans la nouvelle loi. La guerre commerciale entre Washington et Pékin de plus en plus féroce. Le président américain Donald Trump vient de faire passer la liste de produits surtaxés de 50 à 200 milliards de dollars. Pékin a directement répliqué en annonçant que des contre-mesures seraient prises et une annonce plus détaillée pourrait avoir lieu en fin de semaine. Enfin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un accueille le président sud-coréen Moon Jae-in à Pyongyang, un nouveau sommet intercoréen pour tenter de relancer les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, mais aussi sur la fin de la guerre qui a opposé les deux pays entre 1950 et 1953. Les taxis sur commande se multiplient à Nairobi. De nouvelles applications mobiles pour une classe moyenne en quête d'alternatives au mauvais système de transport public au Kenya. Parmi ces solutions, une application qui n'offre ses services qu'aux femmes. Et tous les conducteurs sont également des femmes. Anissa offre ainsi une alternative à la junte féminine qui n'est pas à l'aise à l'idée d'être conduite par des hommes. Anne-Marie Diaz-Borges a rencontré sa fondatrice. Pour Ménard Sarwa, prendre un taxi conduit par un homme n'est jamais de tout repos. Une difficile réalité devenue le moteur de sa nouvelle application de taxi conduite par des femmes pour des femmes. Appelée Anissa, qui signifie femme en arabe, le service n'est en rien discriminatoire pour sa fondatrice. Il y a tellement d'options pour les hommes, comme Uber par exemple. Les seuls qui ont des soucis avec leur sécurité, ce sont les femmes. Du coup, nous leur apportons la sécurité, c'est tout. On ne peut pas nous dire que c'est discriminatoire, car ce service a uniquement pour but d'améliorer le quotidien des femmes. Dans ce business extrêmement masculin, nous souhaitons apporter une plateforme et une diversité. Plus de 10 000 taxis roulent chaque jour à Nairobi, chacun faisant environ 4 courses par jour selon les chiffres officiels. L'économie du taxi rapporte donc 200 000 dollars chaque jour dans la capitale.
Bien que la grande majorité des courses se fasse sans encombre, beaucoup de femmes se sentent moins vulnérables avec une femme au volant. Anissa est devenue très populaire à Nairobi et charme de plus en plus de femmes. On se sent plus en sécurité et je trouve que les femmes ont tendance à faire plus attention lorsqu'elles conduisent. Quand on voit toutes les histoires de cambriolage et d'agressions sexuelles, quand j'ai une conductrice, je me sens plus à l'aise. Anissa suit les traces d'autres applications déjà existantes aux quatre coins du globe, telles que London Lady Chauffeur, toutes unies avec le même but, offrir une alternative aux chauffeurs et aux abus commis par certains d'entre eux, ainsi que combattre, course après course, contre les inégalités d'un marché trop masculin à leurs yeux. Place au sport et on retrouve Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Rémi. La Ligue des Champions reprend ses droits dans quelques minutes et il y a déjà de très belles affiches. Oui, tout à fait. Et surtout, il y a aussi des nouveautés parce que, effectivement, vous l'avez dit, ça commence dans quelques minutes. Ça peut paraître bizarre, mais il y aura désormais, pour chaque journée de la phase de poule, deux matchs qui débuteront à 16h55 GMT. Donc, effectivement, dans moins d'un quart d'heure maintenant. Les autres matchs se dérouleront à partir de 19h GMT, comparé aux 18h45 qui étaient de mise depuis des années. Alors, cet après-midi, j'allais dire ce soir, non, cet après-midi, deux belles affiches comme hors d'œuvre, si l'on peut dire, dans le groupe B, Inter de Milan, Tottenham. Et le manager de Tottenham, Mauricio Pochettino, a effectué 5 changements par rapport à la courte défaite contre Liverpool le week-end dernier en championnat. Parmi ces changements, Serge Aurier, l'international ivoirien, qui récupère son poste de latéral droit, avec qui il est en concurrence avec d'ailleurs Kevin Trippier, le britannique, l'anglais. Donc Aurier sur le côté droit de la défense ce soir pour Tottenham, c'est un des 5 changements. À noter également Son, le sud-coréen, qui revient sur le front de l'attaque. Autre hors d'œuvre, si l'on peut dire, cet après-midi, FC Barcelone, toujours dans ce groupe B, FC Barcelone, PSV Eindhoven. Et là, c'est une formation classique du côté du Barça avec notamment Messi, Suarez et Coutinho sur le front de l'attaque. Les autres matchs, donc, il y en aura 6 qui vont commencer à 19h en temps universel et j'en ai choisi 2 pour vous. D'abord, Liverpool-PSG. C'est, disons, l'affiche des équipes en forme. Pourquoi ? Eh bien, parce que Liverpool est pour le moment deuxième à la différence de but de la Première Ligue derrière Chelsea et le PSG nettement en tête de la Ligue 1. Mais ça, ce n'est pas une surprise. Et puis, c'est les retrouvailles de deux entraîneurs allemands, Jürgen Klopp et Thomas Tuchel, qui s'étaient côtoyés évidemment en Bundesliga lorsqu'ils étaient à la tête de leur équipe respective. À noter également dans le groupe A, l'AS Monaco, Atlético Madrid. Alors ça, c'est l'inverse. C'est le match entre deux équipes qui n'ont pas démarré très fort leur saison. Et ce sera pour Thomas Lemar l'occasion de retrouver Le Rocher, le stade Louis II de Monaco, puisque c'est un ancien de Monaco passé maintenant à l'Atlético Madrid. La Première Ligue en terminait hier soir avec sa 5e journée. Derby de la côte sud de l'Angleterre, 2-2 entre Southampton et Brighton. Southampton qui menait pourtant 2-0, mais Glenn Murray sur pénalty à la 90e a égalisé. Et puis en rugby, récompense pour Johan Erasmus, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, qui va entraîner les Barbarians britanniques le 1er décembre à Twickenham, lors du match contre l'Argentine. Les Barbarians, c'est une sélection de joueurs anglais, gallois, écossais et irlandais. Récompense pourquoi ? Eh bien parce que les Springboks, figurez-vous, sont allés battre la Nouvelle-Zélande samedi dernier dans le Championship, 36-34, la première fois depuis 9 ans. Merci à vous, Emmanuel Coste. Et on termine avec cette vidéo de Super Papy devenu viral sur le web. Dennis O'Connor se trouvait tranquillement dans un bureau de Paris sportif en Irlande lorsque 3 braqueurs, regardez, ont débarqué armés de cabines et de marteaux. Le serveur a eu peur, mais pas Papy Dennis. À 85 ans, il s'en est pris aux brigands et il n'a pas été blessé. Et tenez-vous bien, en bon parieur, il est revenu ensuite pour poursuivre ses paris. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci particulièrement à vous qui nous regardez au Burkina Faso grâce à nos partenaires de TVZ. Où que vous soyez, je vous souhaite à tous une agréable soirée.